Eh bien salut à tous, c'est Chorus85, aujourd'hui on se retrouve sur Forza Horizon 4. Pourquoi faire? Pour faire un peu de drift, vous le sentez de toute façon, le drift, hein, Tokyo Drift. Oui, je sais, Forza en ce moment ressemble un petit peu à ça, hein, tout simplement, ces derniers temps, parce que les B-Switch viennent d'arriver, hein. Alors imaginez le jour où, enfin j'espère que Toyota va finir par arrêter de faire leur tête de cochon et autoriser les jeux vidéo à avoir des licences, et du coup, le jour où il y aura la Supra qui va débarquer. J'espère. Ça va être encore pire. Donc j'avais envie de faire un petit peu de drift avec cette voiture-là. Parce que voilà, c'est emblématique tout simplement. Faire un peu de drift avec cette Mitsubishi. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est que déjà vous êtes un peu bizarre. Si vous aimez les automobiles et puis que vous avez cliqué dessus, moi vous êtes curieux. Donc ça vient de Fast and Furious Tokyo Drift. Hein, la fameuse Evo 9, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est peut-être une Evo 8. Hey. Ok Google, en quelle année est sorti Fast and Furious Tokyo Drift? 19 juillet 2006. La Evo 9 est de 2006 aussi, donc c'est possible que ce soit une Evo 9. Je sais pas, dites-le moi si des fois vous le savez. Donc voiture de Sean dans le film, voilà, qui a été offert par Han. Tu veux la vie rouge? Allez, t'as toi. Donc, on va se faire un petit peu de drift avec. Je pense que quelques-uns d'entre vous auront reconnu, on est sur Fortune Island. Vraiment pas mal de routes sinueuses pour faire le drift et bien sûr la plus longue zone de drift du jeu, de tout Forza en fait, il a fait 3 km, donc on a de quoi de s'amuser tout simplement. Puis ben on est parti tout simplement, hein. Regardez, on a déjà des beaux virages. Alors en réglage, comme d'habitude, hein, pour ceux qui commencent à me connaître, je ne drift pas avec de réglages prédéfinis en fait. Je vais pas m'amuser à chercher des réglages drift. Il y en a qui le font, mais moi, en fait, j'ai du mal à drifter avec des réglages des autres. De toute façon, en général, un réglage drift, c'est personnel. Drifter avec d'autres réglages, c'est assez chaud de s'y habituer. Il faut mieux les faire soi-même. Des fois, c'est chiant, hein, j'avoue. Mais bon, moi, j'ai pas fait grand-chose comme réglage. J'ai juste monté la voiture à fond avec son moteur d'origine et mis les suspensions drift, c'est tout. J'avais déjà fait une vidéo sur cette voiture là sur Forza Motorsport 6, si je dis pas de bêtises, quand je faisais ma fameuse série des demandes de drift sur Forza Motorsport 6. Qu'est-ce que j'en avais fait d'ailleurs, je crois que j'avais dû faire 78 épisodes au total. Ouais, j'avais pas mal spam. Vu comme ça, je dirais que, après c'est de ma faute, hein, j'ai pas forcément mis énormément de réglages, il va falloir que je tente éventuellement. Il faudrait qu'elle perde un peu plus d'adhérence à l'arrière. Alors ce que je vais faire, j'y connais pas grand chose en réglage comme je vous l'ai dit. Je sais que si on augmente voilà, là, en fait, la pression des pneus à l'arrière, on va les monter à 2,6, allez 2,6. Voilà. Du coup ils seront plus gonflés, il y aura moins de contact avec la route et forcément ça glissera plus. C'est ce qui me manquait un petit peu, c'est vraiment moins de contact. C'est ce qui manquait un petit peu, c'est vraiment, il fallait vraiment qu'elle glisse plus. J'ai l'impression qu'elle avait pas assez de puissance pour drift. Et du coup ça permet à drift en fait, hein, si vous voulez. Vous voyez très bien que j'arrive bien à drifter avec sans trop de soucis. C'est juste que je trouve que pour drifter à haute vitesse, c'est pas idéal. Oula, j'ai bien failli sortir. Alors est-ce qu'on vise un petit objectif? Allez, c'est 200 000 pour avoir 3 étoiles. On va dire, ouais, c'est une voiture qui est quand même suspension de drift et tout ça. Donc on vise les 300. Je serais tenté de dire 350 000. 300, c'est en montant, donc 300 000, je pense que ça peut être pas mal déjà. Ouais, si, peut-être que... Ah, on verra bien. 300, 350 000. Si je fais 350 000, tant mieux. Si je fais 300 000, c'est bien. Si je fais moins, c'est pas ouf. Voilà. Allez. Allez, petite. Tu peux le faire. Voilà, drifter ici c'est juste génial. C'est un kiff de ouf avec la vue. C'est juste dingue. Avec ce genre de vue là. Oh là, voilà, on a forcément. Je me disais dans ma tête avant de faire ça, je me suis dit, je vais faire voir la vue. Tu vois? Non, à la limite comme ça là. Voilà. Et forcément, quand on s'amuse avec la caméra et qu'on se centre pas à mort sur le drift, ben voilà ce qui se passe. Oh là 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 là, c'est génial. Alors autant.
on avait été déçu sur le fait que sur il n'y ait pas de, enfin, déçu oui et non, parce que quand on voit Forza Horizon 4, il est vraiment très 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 cool comme jeu, et qu'on avait été surpris, surtout enfin sinon que ça avait été en Angleterre tout simplement. Mais quand on nous offre Fortnite, parce qu'on voulait tous que ce soit Tokyo, pendant un moment il y a eu le gros délire, d'ailleurs je suis bien planté sur mes prédictions, qui n'étaient pas non plus très connes, hein, vous avez beaucoup pensé pareil. De toute façon, on était une grosse communauté à penser. Oui, effectivement, les 300 000, je viens de m'asseoir dessus. On était une grosse communauté à penser vraiment que Tokyo aurait été cool, quoi. Enfin, le Japon, du moins. Ok, bon, bah les 300 000, c'est mort, hein, tout simplement. Je pense que je leur tenterai en descente. Tout à l'heure, on va les balader un peu plus par là-bas. C'est peut-être la plus belle route de Fortuna Island, celle-ci. Celle qui surplombe tout, là. C'est vraiment ouf. Mais oui, pour ce DLC, ils nous ont vraiment gâté en ce qui se concerne le dénivelé. Ce qui est vraiment assez cool, et avec ces zones de drift là, c'est juste parfait, quoi. Pour nous, les drifters, on est vraiment servi là-dessus. Ah là, ça y va. Là, je touche même plus au frein à main, c'est le transfert de masse sans trop de problème. Il y a une zone de drift juste en bas. Ouais, je suis peut-être un peu vite. Non, c'est bon, ça passe. Allez, la zone de drift. Je sais pas si c'est quoi le record ici. Enfin, le record, le pour avoir 3 étoiles. Allez, on a une belle épingle. Allez, go. Yes. Nice. Ça, c'est plutôt cool. Ah, le fait que je sois en solo, je peux faire ça. Petite astuce pour ceux qui savent toujours pas comment on fait. Parce que, il y a beaucoup au début, moi, surtout sur Forza Horizon 3, je me disais, mais comment ils font les gens pour faire ce genre de plan? Et ben, c'est tout bête. Quand vous faites rembobiner, voir la vidéo avec X. Et à partir de là, vous pouvez. Non seulement prendre une photo, comme ça vous pouvez concentrer dans votre drift et après vous prenez la photo après. Mais après, on peut s'amuser. Et en plus, vous pouvez vous s'amuser à faire des ralentis et tout. Si vous appuyez pas trop sur la gâchette. Et là, du coup, le truc qu'on peut faire, c'est Y comme ça, on masque VHD. VH plutôt. Si vous appuyez sur X, vous avez plusieurs angles. Non seulement. Par caméra, je vois par exemple le plan serré comme ça, si je le veux comme ça, comme ça, comme ça, ça c'est vraiment cool. Drive Attar à la con! Putain! Ça m'avait pas manqué ça! Ok, on est en haut, on est devant la zone de drift, cette fois-ci les 300 000, je pense les faire. 350 000, vu que c'est en descente, c'est beaucoup plus facile. Allez, on va tenter les 350 000, on va tenter. Allez, vous êtes prêts? On est parti. Ok. Dégage-toi la Subaru. S'il te plaît. Allez. Premier virage. 28 000. Ah, je me suis mal élancé. Je me suis mal élancé. Ok. Câble. On est déjà à 100 000 quasiment. Je pense qu'à la sortie du virage, on est à 100 000. Impeccable. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. On est chaud, on est chaud. Ok, ok, ok. Allez. Du mal, je sais pas pourquoi elle voulait pas tourner. Les ongles sont pas forcément très bons. Ah, t'es à queue, on a 200 000, s'il te plaît, perds pas. Allez, ouais, donc vraiment, vraiment de patate. Allez, il nous reste tout ça. Ça peut peut-être le faire. Les 350 000, on tente les 350 000. Allez.
commence pas à y croire. Ah, je vais pas y croire. Ah, surtout si je fais des têtes à queue, ça c'est génial. Faut que je fasse gaffe, je vais me faire exclure. Enfin, exclure. De la zone de drift, je parle. Ouh, 350 000. Allez, 350 000, il reste 40 000. Tu peux le faire, quoi. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Oh, il reste 25 000. Allez, 25 000. Les 25 000, on les fait. On les fait. On les fait. On les fait. Allez, allez. Oui, oui. Oui. Genre... je m'en fous, je les ai fait. Wouh, 353 000. Eh ben. Ah, c'est plutôt cool, ça. Franchement, c'est vraiment plutôt cool. Bah écoutez, dites-moi si vous arrivez à faire pareil pour voir à peu près où je me situe par rapport à mes abonnés, ceux qui sont fans de Drift. Sauvegarder les réglages, Drift Coro, et j'enregistre ça. Comme ça, je pourrais voir qui c'est qui fera le meilleur score. Hein, dites-le moi en description, il y a Twitter, tout simplement. Envoyez-moi ça sur Twitter, taguez-moi. C'est les petits instants promo, je sais, elle a rien à voir avec Fast and Furious Tokyo Drift. C'est celle de Fast and Furious 2, tout simplement, celle de Brian. Je l'ai recréé, c'est moi qui a fait entièrement le livret. Donc si des fois ça vous dit d'aller le télécharger, allez-y, il est dans ma vitrine, hein, GT Corrosive 85. Parce que tout simplement, pourquoi je l'ai refait? Parce que je sais qu'il y en a déjà qui ont été faits. Tout simplement, il me plaisait pas. Sous la couleur verdâtre, jaune, me plaisait pas, soit les personnes ne mettaient pas en noir le spoiler, et les gens, il y en a même qui les mettaient en blanche alors qu'ils sont couleur aluminium tout simplement. Alors au niveau d'en dessous le rétro, c'était marqué en dessous la bande bleue, c'était Driver Paul Walker, mais sauf que dans le film c'est pas marqué Driver Paul Walker, donc c'est vraiment celle du film. J'ai essayé de la faire la plus ressemblant possible. Et je pense qu'à mon goût, pour l'instant, c'est à moins que vraiment il y ait une personne qui aille vraiment encore plus dans le détail au niveau des stickers sur les côtés, parce qu'à l'intérieur c'est une voiture qui s'est représentée et moi j'ai pas tilté tout de suite que c'était ça. Pour l'instant, selon moi, c'est la plus réaliste qui existe encore, qui existe sur les vitrines. Donc n'hésitez pas à aller la télécharger si des fois ça vous dit. C'est gratuit, et puis moi ça me permet d'avoir un petit téléchargement. Donc voilà, la vidéo se touche à sa fin avec ces nouvelles Mitsubishi. Morale, c'est que bah, y a beaucoup de voitures de Fast and Furious qu'on va pouvoir recréer. Et parce que c'est ce qui manquait tout simplement. Et bah, je pense que j'avais fait une vidéo rassemblant Fast and Furious. Moyen d'en faire une deuxième. Il y a moyen d'en faire une deuxième. Donc dites-moi ce que vous en pensez tout ça dans les commentaires. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'était Corrosive. Salut.